Bonjour, bienvenue sur Ciné Sensei, je suis Mehdi. Aujourd'hui, je vous propose un hors-série sur le film Black Adam qui est sorti mercredi dernier au cinéma. Donc, est-ce que Dwayne Johnson, qui est maintenant aussi producteur et un peu le chef d'orchestre des projets DC, est-ce qu'il a relancé DC ou pas ? Espoir ou désespoir, c'est ce qu'on va débattre aujourd'hui pour son film Black Adam. On va essayer de le spoil le moins possible. Alors, être passionné, c'est être fan et aussi de se battre pour elle. Générique. Black Adam qui est sorti ce mercredi dernier. Du coup, Black Adam est le 11e film de l'univers cinématographique DC qui met en scène le personnage du même nom qui est créé en 1945 par Otto Binder et C.C. Beck et pensé comme une version magnifique du super-héros Shazam. Et bien sûr, Dwayne Johnson a le rôle titre et il a double casquette dans ce film. Il est aussi producteur et c'est même lui maintenant qui dirige à peu près les projets DC, les futurs projets. Donc Black Adam est réalisé par John Cole Serra et scénario de Adam Sexzikel, Rory N et Sohrab Nosivarni. Donc l'acteur principal, je l'ai dit, c'est bien sûr Dwayne Johnson dans le rôle de Black Adam. Nous avons Pierce Brosnan qui joue le rôle de Dr. Fate, qui est aussi un personnage de DC. Et nous avons Aldis Hodge qui joue le rôle de Hawkman, et Noah Centineo et Quintessa Swindle. Alors Noah Centineo, ça doit être le mec qui joue Atom Smasher, et Quintessa Swindle, ça doit être celle qui joue Tornade, enfin une sorte de Tornade, je crois que c'est Cyclone, ça s'appelle. Du coup, la société de production, bien sûr, c'est DC Films et New Line Cinema, et bien sûr, Seven Bug Productions, qui est la société de production de Dwayne Johnson, qui est au film aux États-Unis. Donc l'histoire est simple, c'est près de 500 ans après avoir été doté de pouvoir, puis tout puissant, le dieu égyptien est emprisonné très rapidement après, Tet Adam est libéré de sa tombe terrestre, son ancien royaume, le Kandak, est désormais contrôlé par des mercenaires d'Intergang qui exploitent les ressources locales et imposent leur dictature et aux habitants. Tet Adam fait la connaissance de Adrina Thomas et son jeune fils qui le considère comme un héros. Ce n'est pas l'avis de la Justice Society menée par Carter Hall Hawkman qui voit en lui une menace. Donc alors, du coup, on va pouvoir passer à la critique. Donc, est-ce que, bien sûr, Black Adam a relancé la licence DC ou pas ? C'est ce qu'on va essayer de débattre aujourd'hui. Est-ce que c'est justement un espoir de revoir, bien sûr, des films DC comme Marvel, un quota régulier, ou non, c'est le désespoir, et justement, c'est une catastrophe, le film. On va pouvoir débattre ensemble sur ce sujet-là pour cette émission. Allez, c'est parti. Donc, j'ai vu Black Adam ce week-end avec le cinéma pâté, hein, on va pas se mentir, je l'ai vu en normal, j'ai pas fait du 4DX cette année, j'ai voulu rester tranquille, j'étais un peu sceptique à ce sujet du film. De fait, des années qu'on entend parler de Black Adam avec Dwayne Johnson, j'avoue, j'étais plus que hypé de le voir, parce que les premiers bandes-annonces, les premiers trailers étaient très on va dire, mettre en avant Dwayne Johnson, qui est juste massif dans le film, il est énormissime, donc ça fait tout pour mettre le personnage dans me donner envie de venir au cinéma. Et j'avais peur que, en fait, les meilleurs passages soient dans les bandes annonces, comme souvent c'est le cas malheureusement. Et au final, on va essayer de pas trop spoiler, je vais pas trop vous raconter. Je sais que c'est un projet que Dwayne Johnson y tient à cœur, ça fait des années qu'il travaille dessus, ça fait près de 6 ans je crois qu'il travaille dessus, même avant, quand ils ont commencé à faire des films DC, ils en parlaient déjà que Dwayne Johnson devait rejoindre le DCU. Je me rappelle à l'époque, juste après justement Man of Steel et Shazam. Normalement, dans Shazam, le premier film, Black Adam devait apparaître et ça ne s'est pas fait malheureusement, parce que Dwayne Johnson a refusé de jouer dans Shazam, le tout premier du nom, parce que tout simplement le scénario qu'il avait lu n'était pas assez convaincant pour le personnage de Black Adam. Il avait dit clairement que lui, en fait, il voyait plus comme un film solo Black Adam et un film solo Shazam, et pourquoi pas après par la suite les faire s'affronter ou se rencontrer dans un film. Mais le film en lui-même était une bonne origin story pour Shazam et non pas Black Adam, donc ça n'avait pas satisfait notre ami Dwayne. Et du coup, ils ont refait un scénario, il y a été plusieurs fois des réalisateurs qui sont venus se rejoindre à ce projet, et malheureusement, ils ont abandonné, repris,
trouver, et en sachant que Dwayne Johnson est l'acteur, un des acteurs les plus bankable, donc son calendrier est bien chargé, donc pour placer un film dans les bonnes conditions, ça prend du temps forcément. Donc voilà, enfin on a eu ce film qui est sorti au cinéma. Donc du coup ça part sur une origin story du personnage Black Adam, qui est un anti-héros, un peu le Venom de l'univers de DC. Des fois il est du côté des gentils, des fois il est du côté des méchants. On le connaît aussi pour participer la Justice Society ou Suicide Squad aussi, ça arrivait même pendant la Justice League. Donc voilà, c'est un personnage qui devait introniser des nouveaux personnages qui s'appelle la Justice Society, qui est un peu le deuxième, pour ceux qui connaissent un peu l'univers de DC, c'est un peu la... Bah, c'est un peu la Ligue des Justiciers, c'est un peu le même genre. C'est une deuxième équipe, sauf que c'est la Justice Society. C'est, voilà, c'est juste le nom, c'est le GCA, la GLA, c'est pas très compliqué. Du coup, on les a déjà vus, la GCA, pour ceux qui connaissent la série Smallville. Ceux qui avaient déjà regardé la série Smallville, la GCA apparaît déjà. D'ailleurs, le personnage Hawkman apparaît déjà. Dans les films, la Ligue des Justiciers, enfin les dessins animés, on en entend parler aussi. Donc voilà, c'était intéressant de les voir pour une première fois en cinéma, en live. En sachant qu'ils ont choisi un acteur codé qui s'appelle Pierce Brosnan pour jouer Dr. Fate, c'est pas rien, donc du coup ça a hypé encore plus le truc. Alors du coup le film en lui-même, on va parler du contenu maintenant. Le scénario, bon l'histoire est simple, hein, c'est basique, c'est un mec qui est enfermé pendant des années, qui est libéré d'une sorte de prison, comme je l'ai dit dans les commentaires au début, enfin dans l'introduction. Du coup du jour au lendemain il est libéré à cause de... la personne qui recherche une espèce de couronne maléfique. Voilà, tout simplement, je vous donne un petit peu de spoil, mais bon, faut faire attention, hein. Je le mettrai dans les commentaires comme quoi il y a un peu de spoil. Mais bon, la plupart des gens ont vu le film, hein. Je pense que là, à 140 millions d'entrées, je pense qu'on est beaucoup à l'avoir vu déjà. En un week-end, le film a fait 140 millions d'entrées, c'est pas mal. C'est un des meilleurs démarrages, je crois le cinquième meilleur démarrage de DC, donc c'est pas rien. D'ailleurs, les estimations analystes tablaient sur ce premier week-end aux alentours de 60 millions de dollars de rentrée, et sur le seul box-office américain ne sont donc pas trompés. Concernant l'international, le site spécialisé tel que The Numbers tablait un total de 73 millions de dollars rapportés en dehors des États-Unis et au Canada. Porte le score d'ouverture au total de Black Adam à 140 000, c'est pas rien. Hein. Par comparaison avec Shazam, le film a droit à une meilleure performance. Ce dernier avait totalisé 50 millions sur une ouverture au box-office US sur le territoire américain, mais un score global peu dessous du club, puisque Shazam était allé jusqu'à 160 millions sur son premier week-end. Il s'agit également d'un score à moitié moins important que le champion DC de l'année The Batman. Reste à avoir désormais la performance sur le plus long terme, parce que le film n'est pas encore sorti en Chine et certains pays. Attendu, le film cristallise comme d'autres avant lui la fracture entre cette réception critique très partagée d'un accueil public, lui, bien plus clément, du score du box-office de Black Adam, dont le budget de production est estimé à 195 millions à 200 000. Ça dépendra évidemment des suites données au personnage et à l'univers DC, de façon plus générale, qui doit à nouveau une nouvelle direction, qui visiblement n'a pas du tout les mêmes envies que les précédentes affaires à suivre, donc de très près. Voilà pour le petit commentaire, on va passer à la critique, et je vais un peu spoiler, voilà. Donc, alors, comme je l'ai dit, j'étais déjà sceptique, déjà de base, parce que, bon, je suis... j'aime bien certains films de Dwayne Johnson, mais pas tout. Faut dire la vérité, c'est pas un grand acteur, hein, ça reste un catcheur ou un gros compétiteur, un gros bodybuilder. Donc, c'est pas un acteur, il n'y a pas des grosses palettes d'acting hein, dans sa bibliothèque. Donc, je m'attendais pas à avoir un film très réfléchi, très posé, enfin bref, je m'attendais à de l'action pure et dure. Après, il faut se dire que c'est un film de super-héros, forcément, on cherche pas une histoire qui tient la route, mais quand même un minimum, quoi. C'est bien, hein, on a vu avec Man of Steel, ça marchait bien, et que Christophe Nolan avec ses Batman, c'est un carton total. Des fois, un film avec une histoire, même The Batman de Matt Reeves a prouvé que on peut faire un film de super-héros avec une histoire, même d'ailleurs le Joker en exemple plus cheap, hein. Il a fait un film comme un film d'auteur sur un film de super-héros, donc c'est largement possible dans les films de super-héros, on est capable de le faire, donc ça ne s'attendait pas que Dwayne Johnson le fasse, hein. Forcément on s'attendait à voir des scènes d'action du début à la fin du film, là-dessus on n'a pas été déçus, il y a de l'action à tout va, des effets spéciaux à tout va, voilà, on s'attendait à voir de la castagne de ouf, voilà, mais bon... Dwayne Johnson est comme d'habitude trop surcoté, on va pas se mentir, hein. Trop balèze, trop fort, trop vite, ils ont abusé sur le slow motion. Slow motion, t'en as du début à la fin quasiment dans chaque scène de Dwayne Johnson, je trouve ça vraiment un peu relou. Certaines scènes, t'as l'impression de voir la scène de Flash
dans le Justice League de Zack Snyder, donc j'ai trouvé ça un peu dommage de pépon à droite à gauche. Ce qui m'a énervé aussi dans le film Black Adam, je tiens à le dire, c'est bien sûr le personnage de Hawkman qui a absolument rien à voir avec le personnage des comics. Ils ont voulu en faire un Black Panther bis ou un Black Panther de chez Lidl, hein, on va pas se mentir. On sait que normalement dans les BD, Hawkman a un rôle hyper important parce qu'il a, quand on connaît un peu le background du personnage, on sait qu'il a une malédiction, qu'il a été maudit, que en fait sa malédiction c'est de mourir et de se réincarner à chaque fois. Il a un métal un peu magique qui s'appelle le métal N ou G ou je sais plus quoi. En fait bref, qui lui donne les pouvoirs de voler avec ses ailes et son casque et sa massue qui peut se transformer en hache. Voilà, donc si tu connais pas un peu l'histoire de DC, bah t'es largué parce que tu sais pas du tout c'est qui ce personnage, d'où il sort, tu sais juste que voilà, le mec qui ressemble à Black Panther de Marvel. Le métal c'est comme le comment ça s'appelle, c'est comme au Wakanda avec le vibranium, c'est exactement la même chose. Ils ont fait à tir l'arigot, ils ont fait un Black Panther bis avec le Wakanda. Franchement j'ai trouvé ça vraiment relou. Pierce Brosnan, ils ont réduit un grand acteur qui est Pierce Brosnan, qui est quand même James Bond, qui a fait pas mal de films, il a fait des grands films. D'ailleurs, il a fait l'affaire Thomas Crowe, il a fait plein de films, donc on peut s'inspirer. Il a un vécu de ouf en fait. Et ils ont réduit un Dr. Fate qui fait 2-3 petites apparitions par-ci par-là, et on le voit à chaque fois enlever son masque un peu pour justifier. Que Pierce Brosnan fait partie du casting, en sachant que si vous connaissez un peu le personnage de Dr. Fate, c'est aussi un personnage avec un putain de background, avec une putain de malédiction, qui est son casque maudit. En fait, le casque, il est maudit par les dieux égyptiens, et en fait, quand il le met, il est une sorte de possession. Donc, t'en entends vite fait en parler par Hawkman, mais ça reste vraiment provisoire. Après, c'est à toi de débrouiller avec ça. Et le problème, c'est qu'ils l'ont assimilé à un Doctor Strange bis encore, et voilà, c'est vraiment dommage que tu fais, t'as un acteur comme Pierce Brosnan, t'as des personnages de DC qui sont vraiment impressionnants, de les rendre à une pâle copie de Marvel, quoi. Franchement, j'ai trouvé ça vraiment chiant et humiliant par rapport à la licence des personnages. Après, en ce qui concerne le Atom Smasher, qui est le nouveau, en gros, on va dire Deadpool ou Spider-Man, hein, ce que tu préfères, ils ont voulu mettre un effet comique avec ce personnage qui est pas du tout ça, en fait. En sachant que Atom Smasher est un peu le Ant-Man de DC, donc c'est un peu... c'est toujours pareil, t'as l'impression de voir du DC, c'est vraiment dommage quoi. Puis en plus ils lui ont rendu un rôle de comique de bas étage, franchement. Des certaines scènes, c'est vraiment un boulet, t'as envie de dire mais qu'est-ce que tu fais là frère, rentre chez toi quoi, tu sers à rien quoi. Et en ce qui concerne Cyclone, pareil, ils ont voulu en faire une tornade bis, en la mélangeant avec un côté Black Panther, avec la sœur de Chadwick Boseman dans le film Black Panther, le tout premier là. Excusez-moi, j'ai oublié son nom, qui crée les gadgets de Black Panther. Du coup qui va être la nouvelle Black Panther dans le Wakanda Forever, le 2. Du coup voilà, j'ai trouvé ça vraiment dommage que Cyclone ait rendu à une pâle copie aussi de la petite sœur de Black Panther de Marvel. Franchement j'ai trouvé ça vraiment vraiment dommage. C'est vraiment des choses qui n'étaient pas forcément nécessaires. Après, en ce qui concerne l'action, il est là, la musique est pas mal. Voilà, les effets spéciaux sont plutôt bien réussis, à part qu'ils sont trop abusés sur certaines choses. Un peu moins, ça aurait été aussi bien, hein, on va se mentir. Et que Dwayne Johnson est trop balèze, trop fort, trop musclé. J'ai rien contre lui, hein. Au contraire, je le remercie énormément d'avoir relancé la licence DCU, parce qu'on attendait vraiment ça avec impatience, de voir enfin un bon film DC, en sachant que quand vous regardez les précédents films Marvel, je note Thor, Love and Thunder, ou les séries She-Hulk, ou Hawkeyes, ou ce que vous voulez, de tout ce qu'on a vu jusqu'à présent chez Marvel, on va dire que Black Adam est largement au-dessus, mais clairement, avec l'histoire qui tient la route, les effets spéciaux qui tiennent la route, il y a même des scènes d'humour, des gags, un peu des punchlines qui nous donnent envie de taper une barre de rire, mais voilà, c'est vraiment de meilleure qualité qu'un Thor Love Thunder, on va pas se mentir. Et je trouve ça vraiment dommage qu'ils ont voulu trop en faire. Ils l'ont mis trop sur un piédestal, le Black Adam. Bon d'accord, c'est un mec super badaise, super puissant, d'accord, je suis d'accord avec eux, mais ils l'ont rendu trop puissant justement, c'est ça qui est dommage. Et du coup, malgré que le film est potable, on va dire qu'il y a beaucoup de défauts dans le film. Il y a par moments, en fait, c'est...
Il y a des scènes qui servent à rien, il y a des scènes de remise en question. Tu te demandes à quoi ça sert, sérieusement, voilà quoi. C'est juste pour remplir un peu, faire du remplissage. On va pas se mentir, on a l'impression que je l'ai démonté, mais le film en lui-même est plutôt correct, on va dire. Si j'avais une note à lui mettre, je lui mettrais un 7 ou un 8. La seule vraiment scène qui vaut le coup d'être vue et qui vaut le coup d'avoir une place de cinéma, c'est qu'enfin, grâce à Monsieur Dwayne Johnson, qu'on peut le remercier pour ça, le retour de Henry Cavill à la scène post-générique, que d'ailleurs tout le monde avait spoil avant la sortie du film. J'ai trouvé ça vraiment ridicule de gâcher ce moment-là que tout le monde attendait. On sait enfin que le retour de Superman est annoncé, ça y est, que voilà, il est de retour dans l'univers, et ça promet de belles choses pour la suite. Mais vraiment, ce film Black Adam, à part la scène de fin, qui est là, même pas c'est une scène de fin, c'est une scène post-générique, à part si tu veux voir un film d'action popcorn qui fait passer le temps, ouais d'accord, un film du samedi, voilà, ça peut être sympa, mais ça reste pas un grand film, on va pas se mentir, c'est pas du grand cinéma, mais ça reste correct par rapport à ce qu'on a vu. La seule gros défaut, le seul gros reproche que je lui fais, c'est de trop copier du Marvel, en fait. C'est ça qui m'a un peu saoulé. On sait que DC a une identité, un ADN, t'es pas obligé, tu peux t'en inspirer, parce que forcément maintenant c'est devenu une référence, un rituel qu'on a chaque année, un film Marvel, ou voire même plusieurs films Marvel dans l'année, c'est vrai, mais t'es pas obligé de rentrer dans un cliché qu'on est obligé de faire la même chose, quoi, tu vois. C'est pas obligatoire, on peut faire des films différents, ça a été prouvé. The Joker est différent, The Batman est différent, il y a eu des choses qui ont été faites. T'es pas obligé de copier bêtement le film. D'accord, tu mets gros en avant, t'as un gros casting avec Dwayne Johnson et Pierce Brosnan, qui est pas rien quand même, c'est énorme. Mais voilà, essaye de justement de profiter de ce casting-là pour les mettre en avant et d'essayer de faire une histoire pas bidon, quoi. Franchement, t'aurais pu faire un truc plus propre, quoi. En plus, Black Adam a un background, Dr. Fate a un background, et tous les personnages sont hyper intéressants. Ils ont des gros produits. Après, j'ai entendu parler que Dwayne Johnson a assuré que Dr. Fate allait revenir. Donc c'est intéressant, il va avoir son propre film. Je trouve que c'est méritant, parce que voilà quoi, c'est un peu dommage de profiter pas de ce jeu, de cette chose-là. Et Hawkman, vraiment, de faire une pâle copie de Black Panther, j'ai trouvé ça mais tellement ridicule. Franchement, mais pourquoi tu te prends la tête à faire ça? Oui, d'accord, tu veux le faire moderne, mais essaye de respecter un peu l'ADN du personnage, quoi, tout simplement. Alors, pour conclure, on dirait, donc la première question que j'ai posée en début d'émission, c'est: est-ce que Black Adam relance la licence DC, espoir ou désespoir? Je dirais ni l'un ni l'autre, malheureusement. C'est pas désespérant, parce que le film en lui-même est plutôt pas mal, même si il y a des gros défauts et des gros choses à revoir. Espoir, oui, de revoir Superman, ça oui, ça c'est clair, mais c'est en bonne voie, ça c'est vrai, on peut pas se mentir que ça c'est bien reparti, mais pas suffisant, je trouve que malheureusement, c'est limite, quoi, c'est vraiment, c'est potable, quoi, c'est passable, c'est pas ouf, c'est pas, c'est, en fait, c'est compliqué, parce que, bon, on sait que Dwayne Johnson est passé par des galères pour relancer ses films et de relancer DC, de faire revenir Henry Cavill. Donc t'as pas envie de le descendre, parce que grâce à lui on a enfin un possible retour de Superman. D'ailleurs ça a été signé en Man of Steel 2, un film peut-être Black Adam vs Superman. Il y a des promesses, donc des promesses qui doivent être tenues. Maintenant le problème, c'est que ça va dépendre des résultats au cinéma, mais le film Black Adam, malheureusement, il remplit des cases. Oui, il est bon, il est sur une bonne lancée, mais relancer le DCU, pas encore. C'est pas suffisant, c'est pas assez. Il est juste potable, il est passable, c'est tout. Il est bon, ça aurait pu être mieux, en fait. C'est ça le truc, c'est que c'est dommage de pas avoir profité d'un casting de ouf, de casting 5 étoiles, on peut dire, de faire une histoire de pâle copie de Marvel, alors que DC a largement la capacité de faire des films meilleurs, on l'a déjà vu plein de fois. Voilà, c'est ce que j'avais envie de dire. Après, j'ai envie de remercier Monsieur Dwayne Johnson, franchement, tonton Dwayne, je te remercie énormément, parce que grâce à toi, Henry Cavill est de retour, Superman est de retour, c'est vraiment la seule chose qui m'a fait kiffer dans le film, même si le film en lui-même, il est bon, hein, mais c'est du déjà vu, c'est du réchauffé, quoi. Certains trucs, on l'a déjà vu, revu, on en a bouffé, voilà, fais pas des pâles copies de ce qu'on a déjà vu, on veut un peu des choses qui nous sortent un peu de notre confort et de prendre des risques, voilà, tout simplement. Et le fait que, bah là, le film, malheureusement, est une pâle copie
de ce qui a déjà été fait, bah, je trouve ça un peu dommage, quoi. Bon, d'ailleurs, si on compare à Venom, parce qu'ils l'ont comparé à Venom, j'ai pas compris la logique. C'est pas logique du tout. Après, pourquoi? Parce que c'est un anti-héros, peut-être. Peut-être la seule cas de la base de données qui sont données, ils ont dit, ouais, Venom, c'est un anti-héros, Black Adam, un anti-héros, on les compare. Ouais, mais c'est carrément pas les mêmes personnages. Du coup, il n'y a pas les mêmes acteurs, donc c'est pas les mêmes objectifs, c'est pas les mêmes ambitions. Je suis pas forcément d'accord avec la comparaison, mais bon, j'ai envie de te dire, bah, il est meilleur que Venom, si tu vraiment ça, ta comparaison, tu vois, c'est... il est meilleur, parce que Venom, c'est de la merde. Quand tu regardes le dernier, Let Be the Carnage, t'as envie de dire, ouais, même si j'adore le réalisateur, hein, faut pas se mentir, hein, c'est un grand acteur, ça a été un grand Gollum, ça a été un grand César, ça a été un nouveau Alfred fort intéressant. Voilà quoi, j'ai pas envie de te terminer, puisque c'est ton premier film. Mais voilà quoi, tu te dis, quand tu regardes Let Be the Carnage, bon d'accord, le premier Venom était un peu mieux. Ruben Fleischer qui a réalisé Uncharted, ouais, pourquoi pas. Mais c'était pas ouf non plus, quoi, c'était pas ouf. Tandis que Black Adam a des plus ou grosses ambitions, dans ce côté-là, il est meilleur. Quand tu compares, là, oui, tu mets Black Adam au-dessus, parce qu'il est largement meilleur. Quand tu compares à un Thor, Love Thunder, il est au-dessus, clairement aussi. Mais s'il vous plaît, arrêtez de copier Marvel, s'il vous plaît, DC, restez DC, quoi. On a vu des putains de films DC, des putains de sagas DC, restez avec cet ADN, ce chose qu'on a déjà vu. Ça a été déjà fait avant. Pas même de recopier ou d'essayer de faire la même chose. Essayez de faire des choses différentes, comme ça a été fait avec le Joker, comme ça a été fait avec Batman. C'est possible, on peut voir d'autres voies, c'est tout. Maintenant, on espère que le 2 sera meilleur, je vais pas vous mentir. Le premier est pas mal, mais peut mieux faire. On a envie de dire peut mieux faire, je peux pas te dire plus. Hein. C'est passable, mais voilà, on s'attendait à mieux. Le vrai chose qu'il ne fallait pas rater, c'est la pause générique, hein, on va pas se mentir. C'est la seule chose qui vaut le coup d'être payé une place de cinéma. Après, malheureusement, je suis désolé, mais ton film est bien. Ça donne des bons espoirs, mais ça reste malgré tout très très pauvre. Voilà, c'est tout très très petit par rapport à ce qu'on a vu déjà. Voilà, c'est ce que je dirais comme avis. Bon, désolé si c'est un petit peu long cette émission. Hein. Voilà, si c'est long, mais c'est que mon avis à moi. Donc, j'ai comme dit, il est bon, peut mieux faire. Et si j'avais une note à lui mettre, je lui mettrais un 7 ou un 8, pas plus, quoi, parce que peut mieux faire. Clairement, peut mieux faire. On est capable de le faire. Allez, à bientôt. Et surtout, gardez le fan spirit.